va assister là à une catastrophe et on va voir si le chauffeur s'en est sorti. Avec eux, pardon. Moi, je suis là depuis jeudi. Il est là depuis jeudi. Moi, donc, le chauffeur du camion, là, c'est lui. Oui. Donc, il est là depuis Il a dormi là-dedans. Durant 3 jours. J'ai dormi là 2 ou 3 jours là-dedans. Ah. La route est coupée. C'est moi-même qui ai arrangé. Là, vous voyez. Faire là, un passage de petit véhicule. Passage de petite voiture. Bon, les frères sont arrivés hier pour venir me secourir là. Là, on essaie un peu de faire sortir ça. Mais il est là-bas. Triste réalité de ce Gabon là. Ce Gabon qui était abandonné. On a perdu beaucoup de temps. Gagnons en temps. Souvenez-vous de cette vidéo avant la campagne 2023. Certains ont juste vu le buzz. Ils avaient dit gagnons en temps. Ne dépensons pas l'argent pour faire 2023. Il fallait faire les routes, les ponts. J'avais parlé de ça. Vous vous souvenez? Je vais vous la rediffuser la vidéo. Mais ceux qui ont la mémoire courte et qui disent non, non, non au référendum, vous parlez de quoi? Il faut venir ici, voir les moucherons et voir comment le frangin qui fait la route tous les jours. Oh, le grand frère avec ses écouteurs. C'est chaud. C'est un homme marié, il est marié. C'est un père de famille. Et regardez, ils dorment ici parce que là, ils sont abandonnés. Parce que ceux qui géraient ce pays, ce qui les intéressait, c'était l'amusement. Et vous avez quelqu'un, Boula ou Boua ou Maou, comment on dit, Boula ou c'est la folie hein, pour nous, de Aou Maou là, il dit il faut le débat. Il invite l'actuel Premier ministre à un débat. Mais de quel débat voulez-vous parler, monsieur? Vous avez pendant longtemps défendu ça, qu'on ait toujours les ponts en bois. Ah, c'est quoi ça? La réalité de chez nous. Voilà. Vous parlez de Gabon. C'est pas le Gabon virtuel. Les gars qui sont ici, enfin, vous pensez qu'ils ont le temps de venir faire le buzz voilà sur... Le vrai Gabon, pas le bord des mers. Hein? Le vrai Gabon, c'est ici. Le buzz sur les réseaux sociaux, pas du tout. On a pas le temps pour le buzz, on a le temps pour ici. Tu dois nourrir ta famille par là, tu dois faire... Ils vous transportent la nourriture dans les conteneurs et vous, vous parlez d'autre chose, vous insultez, les gens, vous devenez impolis. Après, quand vous allez marcher seul, en parlant, ben, vous allez dire, oh, m'a maudit. Non, mais enfin, on parle de... Enfin, vous imaginez... Ce que ça provoque comme, comme conséquence là, entre le Gouévindo et le Haut Ogoué. Et on dit non, le Gouévindo est abandonné. Le... Mais la route, waouh, ils sont courageux, au péril de leur vie. Allez-y, ne peux pas respirer, c'est possible. C'est un dieu extraordinaire. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, vous avez assisté là à une catastrophe et on va voir si le chauffeur s'en est sorti. Vous avez et ça se passe de tout commentaire. Je vais arrêter ma vidéo pour aller voir et secourir le chauffeur. C'est bon? Oh là là, Seigneur. Il est là? Il est là. Ça, c'est quelle souffrance? Mais le patron ne s'en fout de nous. Ah. Voilà, quand je dis oui, cash au référendum, qu'il faut un nouveau Gabon, c'est de cela dont on parle. Ça, on ne parle pas du buzz. On a perdu du temps au Gabon, l'argent du Gabon a servi à toute autre chose que de nous faire les routes avec les ponts. Makoko Okonja. Et là, toutes les provisions à l'eau, dans la boue. Et vous, vous posez des questions de savoir, la vie est chère, pourquoi ?